Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis le Palais de la Bourse à l'occasion du 6e forum Lyon Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Jean Volatier, directeur général finance d'Aventiva. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Aventiva qui fête ses 10 ans, société biotechnologie dijonnaise, bourguignonne. Voilà, donc on a fêté, c'était notre 10e année, on la termine là. On va voir, il y a eu beaucoup d'actualités cette année. Donc on est basé à Dijon en effet et on est leader dans la recherche de médicaments dans la maladie du foie gras, la stéatose hépatique non alcoolique, voilà. Notamment. Pas que, mais c'est notre actif principal. Voilà, maladie dite NASH, c'est ça? Exactement. Voilà, alors beaucoup d'actualités vous concernant, on va les reprendre une par une. Déjà, l'augmentation de capital peut-être? Alors tout à fait, alors les dernières, quand on s'est parlé, j'avais parlé de deux gros événements en 2022 avec le contrat de la Banque Européenne d'Investissement, et on va en reparler parce que ça continue à vivre bien sûr. Et puis il y avait également le premier contrat de licence en Chine, on va en parler aussi. Et j'avais dit, je reviendrai avec des bonnes nouvelles l'année prochaine, j'espère, et donc on est là aujourd'hui. Elle se confirme. Et donc, effectivement, le 31 août, cette augmentation de capital importante dans un marché difficile. Donc, on a levé 36 millions d'euros sous la forme d'augmentation de capital classique. Et puis, une innovation avec ce qu'on appelle des certificats de royalties. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est qui fait un petit peu date. Donc, ça, c'est la première chose qui nous permet d'actualiser notre horizon de cash. Voilà. Et ça, puis alors, depuis 9 mois, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà la semaine dernière, si on le fait en rétro, on a signé notre deuxième accord de licence exclusif pour le Japon et la Corée, pour lequel on attend là, incessamment un paiement de 10 millions de dollars. Mais surtout, c'est un accord qui peut aller jusqu'à 231 millions de paiements d'étapes réglementaires, commerciaux et derrière des redevances sur les ventes nettes si bien sûr le produit va jusqu'à l'autorisation. Et ça marque, on parle dans le jargon de deal référence, puisque c'est on réplique un contrat donc avec une capacité donc à partenariser et la crédibilité de notre molécule dans l'univers de maladies, notamment sur la Chine ou l'Asie, où aussi la prévalence de cette maladie du foie gras est forte. On peut en dire un mot de ce produit phare sur lequel vous travaillez très 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 activement? Alors on est effectivement sur la phase 3, ça c'est une information importante au niveau opérationnel, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 50% du recrutement. C'est une étude mondiale à laquelle d'ailleurs la Chine peut contribuer. Donc plus de 50% de patients, c'est 24 pays, 400 sites investigateurs, voilà, avec un objectif crucial de finir le recrutement fin 2023, donc cette année, c'est un des trois jalons qu'on résumera tout à l'heure, et à laquelle la Chine contribue. Juste pour revenir aussi pour la Chine, pour bien comprendre comment ça fonctionne et ça s'articule sur les jalons financiers, le programme chinois s'est déroulé cette année et on a eu, comme prévu, l'IND. L'IND, c'est le ticket réglementaire pour démarrer l'étude dans ce pays et qui a déclenché aussi un paiement d'étape de 2 millions de dollars. Et le premier patient enrôlé, randomisé, on l'aura d'ici quelques semaines et c'est aussi un nouveau paiement d'étape. Et quand on met bout à bout toutes ces rentrées de cash, de trésorerie, ça nous permet... quasiment maintenant, on peut le dire, de compléter les conditions financières pour lever la deuxième tranche de 25 millions d'euros de la BUI à la fin de cette année, comme c'était prévu, et donc d'étendre notre horizon de trésorerie au début du troisième trimestre 2024, et très important par rapport à la date de fin de recrutement de la phase 3, après la fin du recrutement des patients de la phase 3. Vous savez que dans notre métier, terminer le recrutement est clé parce qu'après, le calendrier se déroule, si je puis dire, avec l'horizon de résultats attendus au deuxième semestre 2025, qui est un point crucial de business. Donc, pas d'inquiétude sur votre horizon de trésorerie, ce qui est parfois le problème. Oui, dans aujourd'hui, cette année, notamment depuis 2 ans, le marché est plus compliqué pour les biotech en Europe, aux États-Unis. Ça reprend un tout petit peu aux États-Unis, mais on est entre guillemets tranquille, si je puis dire, jusqu'à
troisième trimestre. On travaille déjà, bien évidemment, et dans la levée de fonds qu'on a fait, on a fait rentrer des nouveaux investisseurs qui potentiellement peuvent revenir sur une dernière levée de fonds l'année prochaine pour aller jusqu'à la fin 2025. Voilà, donc une feuille de route bien remplie, bien pleine. Oui, ça a été très, très riche cette année. Alors, c'était l'année des 10 ans, donc il y a eu beaucoup de choses positives. Et puis on a eu aussi en complément des résultats sur une étude supportive, dite étude QZI avec l'Université de Floride, qui permet d'enrichir les résultats sur des critères périphériques aux critères principaux qui sont la NASH et la fibrose, sur ce qu'on appelle des indicateurs cardio-métaboliques, pour la faire large, qu'on travaille, qu'on a publié dans des revues scientifiques. Il y en a encore un article qui va sortir et qui va permettre de compléter la sécurité du médicament et puis l'élargissement des indications potentielles sur la molécule. Un mot sur vos concurrents par rapport à cette maladie de la NASH. J'imagine que vous n'êtes pas seul. On n'est pas tout seul, bien sûr. Alors, il n'y a toujours pas de médicament. Oui. Par contre, il y a quelques concurrents qui se comptent sur les doigts d'une main qui se rapprochent, notamment une société qui s'appelle Madrigal aux États-Unis qui a réussi sa phase 3 et qui attend pour mars l'approbation de la FDA. Donc ça sera un événement majeur sur l'environnement compétitif. On espère qu'ils seront positifs, bien sûr, parce que c'est un marché qui est de plusieurs millions de dollars. Hein. Il y aura de la place pour tous les acteurs. Et donc, pour les investisseurs, c'est important qu'un acteur important réussisse une étape cruciale dans son développement pour les autres compétiteurs, naturellement. Pour finir, d'un mot, de bons rendez-vous ici à Lyon avec les investisseurs comme aujourd'hui. Comme d'habitude, on est pris toute la journée. On rencontre des existants, des contacts existants, des nouveaux. Il faut qu'on travaille beaucoup le retail, le family office, etc. On va relancer des plans d'action sur cette nature d'investisseur. Et donc, ça fait évidemment partie des opportunités de créer des contacts et de prévoir des événements avec du retail, family office. On vous laisse les retrouver. On rappelle combien de personnes à Ventiva ? Alors aujourd'hui, on est 115, dont bientôt 15 aux États-Unis. On a créé la filiale il y a 2 ans. Et donc on est prêt pour les 3 grandes prochaines étapes qui sont le recrutement, une étude de combinaison qui doit sortir aussi au premier trimestre 2024, très importante, et cet horizon de second semestre 2025 pour les résultats, pour l'approbation du médicament. Et on se reverra donc dans un an. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, toujours un plaisir de venir à Lyon. Bon forum Lyon Pôle Bourse, merci. Bonne rencontre avec les investisseurs. Merci d'être venu. Jean Volatier, directeur général finance d'Aventiva.